Théma, c'est notre emmerdeur. Ouais, ma gueule, OCB, ma gueule. Original Cash Burn, coco. Moi, celui que tu prenais pour une blague, hein. Capri, Radian Ismail, le même qui fit 5 piges plein à Berlin. Tu peux pas, mon pote, et bien Chopin. Ce que j'ai fait te semble incroyable. C'est moi, original, inoubliable. D'où j'arrive et c'est inévitable, hein, ma gueule. The one give a fuck, moi, de l'endemain. Le coco, regarde les sabots, ça coupe parpaing, grosse et de crasse. Salut les gars, c'est moi Dito, j'espère que vous allez bien. Alors les gars, aujourd'hui on se retrouve avec du MW3 les gars. Ça faisait longtemps, franchement la dernière fois je me suis aperçu, je me suis dit oh my god, putain ça fait longtemps, je vous ai fait bouffer du Advanced Warfare en ce moment. Et en fait je m'en rends pas trop compte, tu vois, c'est que j'ai tellement envie de mettre des vidéos, des DNA par-ci par-là, des gros carnages, des fucking plus de 100 kills et tout. Du coup voilà, je vous envoie du Advanced Warfare, mais et la dernière fois effectivement, c'est pour ceux qui me suivent sur Facebook, j'ai mis en fond d'écran toutes mes 15 dernières vidéos. Et effectivement, sur mes 15 dernières vidéos, je me suis rendu compte, je me suis dit, oh là là, ça fait 15 vidéos que j'ai pas fait du MW3. Les gars, du MW3, c'est la patate. J'ai retrouvé un fucking gameplay, j'ai dit celui-là, il est pas, je l'ai pas fait récemment, hein. C'est un vieux gameplay à l'époque de MW3 gros. Tu vois, quand on jouait avec la team à fond, QG et tout, pack de map. Pour ceux qui n'ont pas connu cette map, ben c'est la map Glitch, mes couilles, on s'en bat les couilles. Bref, tu as compris, c'est le désert, c'est les Dalton, c'est Lucky Luke, tout ce que tu veux. Voilà, donc aujourd'hui, fucking DNA les gars, vous allez dire, ouais, toi, tu joues à l'MP7, on s'en bat les couilles de l'MP7. Mais en fait, je vais vous dire pourquoi, parce qu'en face, il y a deux mecs dans d'une team qui étaient à l'époque, c'était pas nos ennemis jurés, tu vois, c'était des Français. Mais ils envoyaient bien le steak en quartier général. Et franchement, ils étaient pas au complet, je crois qu'ils étaient deux ou trois. On verra après, on verra dans la barre de fil. C'est la team 67 QG, donc tu vois, c'était leur nom de clan. Et quand ils tombaient contre la OCB, on s'est fait des fucking putain de matchs de. Enfin, tu vois, à l'impro sur le multijoueur, comme ça, bam, des fois on tombait 6 contre 6. On se faisait des putains de quartier général, mon gars. Des fois ils gagnaient, des fois on gagnait. Tu vois, il n'y avait pas de forcément plus fort. Bon, allez, ouais, je vais dire qu'on les avait un peu plus gagnés, tu vois, quand même, parce qu'il y avait quand même plus de victoires de l'autre côté. Mais ça restait équilibré. Ça jouait pas forcément. Ouais, ça jouait un petit peu. Quand je dis sale, ça jouait en mode QG, gros. Tu as compris, RPG, machin, tir rapide. Le bordel, frère, un truc de malade. Donc aujourd'hui, je vous ai pas mis de gameplay entier. Je vous ai mis à partir de la série. MOAB parce que gameplay durait 20 minutes gros, tu vois, 20 minutes, il faut que je parle pendant 20 minutes, c'est chaud. Bref, aujourd'hui j'ai des énormes nouvelles à vous annoncer, plein de choses. Je vais finir vite fait sur le gameplay. Vous allez voir que c'est pas une MOAB agressive 100% rush et tout, tu vois, c'est en fait je voulais claquer la MOAB contre un petit peu nos ennemis, tu vois. Et est vrai que quand ils sont 6, franchement, on n'a jamais claqué de moi. Mais là, ils étaient 2 ou 3, je dis c'est l'occasion. Tonton, mais il a quand même joué l'objectif, Tonton, vous pouvez le voir. Je suis quand même allé se prendre des QG, j'ai défendu des QG. Voilà, je restais avec mes potes. Après, certes, quand j'étais tout seul sur le QG, bah, je faisais pas le warrior à les défendre tout seul. Attendez que mes potes réapparaissent. Là, j'ai spongé les balles à mort. Bref, voilà, vous allez voir, c'est un beau gameplay. J'espère que ça vous fera plaisir. Déjà, un max de likes, les gars, si vous avez kiffé le MW3 un peu à l'ancienne là. Et en plus, c'est un gameplay du moment, de l'époque. Donc, c'est pas un truc maintenant où tu rencontres que des noobs. Tu vas voir à la fin de la partie, les grades et tout, c'est des costauds. Tu vois, c'est pas de la merde. C'était pas des lobbies où tu es prestige machin qui sont bidons. C'était des vrais mecs qui passaient les prestiges à l'époque, tu vois. Donc, voilà, c'était un bon. C'était une bonne partie, je me rappelle, putain, je l'ai retrouvé sur le PC, ça m'a fait plaisir d'un coup, je me suis dit, waouh, je vais la mettre celle-là, elle me met à la MP7 contre les 64 QG. Donc aujourd'hui, les gars, la grosse nouvelle, vous allez dire, Tonton, c'est quoi la grosse nouvelle pour ceux qui me suivent sur Facebook, je l'ai marqué, j'ai dit, ouais, sur Facebook, j'ai marqué rendez-vous jeudi pour une bonne nouvelle. La grosse nouvelle, j'en ai deux. La grosse nouvelle, c'est l'ouverture de ma chaîne Twitch, les gars. Ça y est, elle est enfin ouverte, elle a été créée. J'ai lancé mon premier live stream mardi soir. Ouais, c'est ça. Non, mercredi. Ouais, mardi soir. Mardi soir, en catastrophe, gros. Un essai de malade. J'ai dit, allez, on envoie tout cher. Je me suis connecté sur mon code Twitch. Je marchais, je comprenais rien. J'étais avec trois gars de la OCB. Écoute, c'est une surprise énorme. Comme je me suis connecté, j'ai eu quasiment 70 followers sur Twitch d'un coup. Alors que c'était à l'imprévu, c'était 11h du soir. Un soir de semaine, pas averti sur Facebook, ni Twitter, ni sur YouTube. 70 followers, franchement, ça m'a fait énormément plaisir. Et excusez-moi. J'ai un peu le rhume en ce moment, j'ai un peu les bouchées. Ouais, du coup, ça m'a fait énormément plaisir. Et
Voilà, aujourd'hui j'ai fait un petit peu la bannière, j'ai changé un peu mon écusson, tout ça. Donc vous aurez le lien maintenant dans la description de la vidéo. Il y a le lien sur ma chaîne aussi, vous pouvez cliquer directement sur l'insigne Twitch. Donc la bonne nouvelle, c'est que je vais vous faire, souvent vous aurez des lives avec la team OCB, bien sûr, ça sera souvent sur du Advanced Warfare. Parce que après brancher la PS3 et tout, c'est un peu le bordel, c'est pas pareil, il n'y a pas la touche char et tout. Comme je passe par la touche char pour le moment, j'attends, en fait, vous savez, tonton, il est un peu à l'ancienne école, c'est le vieux, tu vois, il faut qu'il temporise, tu vois, qu'il s'habitue doucement aux étapes. Il y en a plein qui vont me dire, ouais, passe par un truc, passe par ci, passe par là. Là, tranquillou, les gars. Et après, il y a eu une petite mauvaise nouvelle, on va dire, qui a amené une grosse nouvelle derrière. C'est en fait, tout simplement, hier, quand je streamais, j'avais 2 barres de connexion. J'ai réussi à jouer à peu près correctement, mais c'était vraiment galère. En plus, c'était sur mon compte principal de team, donc forcément, tombé que sur des comptes de fou. Avec des ratios, on va dire, entre 1,50 et 1,80. Donc les mecs, ils ne laissent pas faire, hein, on va dire, ils ne vont pas se prendre 30 kills d'affilée dans la gueule. Donc j'avais 2 barres de connexion et petite dédicace à Mickey. Mickey qui m'a dit hier soir, ouais, appelle Orange et tout, tu veux voir, tu leur dis que tu stream, qu'il te faut une super connexion, machin, nanani, nanana. Ils vont pouvoir te booster la connexion. Je dis bon, mais écoute, je vais le faire et tout. Et ce matin, j'ai appelé, écoutez la grande nouvelle. J'ai appelé, tout ça, j'ai dit voilà, je suis en train de streamer, je fais du live pour mes abonnés, je montre du live, du streaming de jeux vidéo. J'ai ma connexion qui ne suit pas. Et j'ai dit qu'est-ce qu'on peut faire, machin, la femme regarde ma connexion, elle me dit ben ouais, normal que je ne suis pas votre connexion, vous avez 1 méga. Waouh, 1 méga mon pote, 1 méga, tu n'avais pas 5, 1, tu vois, 1 méga. Et je fais des fucking massacres avec 1 méga, tu vois, déjà quand, pas en stream, mais je parle en normal, tu vois. Franchement ça va, tu vois, je suis fier quand même, quand elle m'a dit 1 méga, elle m'a dit c'est normal que vous ramez, vous pouvez pas streamer et tout. Et hier j'arrivais quand même à streamer un petit peu à jouer, bon c'était un peu bizarre, je perdais pas mal de duels quand même, mais j'arrivais à jouer. Et la bonne nouvelle c'est qu'en fait ils m'ont changé, ils m'ont fait changer de box, ils m'ont fait passer sur une box VTSL, ouais, ça je connaissais pas, c'est un nouveau truc. Elle m'a dit qu'en fait je vais, faut que j'aille chercher ma box dans un magasin, je vais faire un échange, bon, je paye 30 balles quand même, hein, 30€ les gars, 30€ fait chier encore. Mais bon, c'est pour le jeu vidéo, c'est pour le streaming, c'est pour les lives, c'est pour vous les gars, donc pour moi aussi, c'est pour tout le monde en fait, pour moi, pour vous, pour mes abonnés, pour tout le monde. Donc c'est 30 balles, mais c'est pas grave, 30€, bah écoute, on les mettra. Je vais aller la chercher normalement avant le week-end, et la box par contre, mon nouvel abonnement qui va me faire passer entre 10 et 20 mégas d'un coup. Je vais passer de 1 à 10, entre 10 et 20, tu vois, des cool trucs de ouf. Je vais pouvoir faire des streamings de ouf. Je pense que déjà je vais avoir de meilleurs contacts et duels dans le multijoueur aussi, parce que de passer de 1 méga à 10 voire 20, tu vois, c'est pas mal. Par contre, il y a un petit truc qui est chiant dans l'histoire, c'est que je vais avoir ma box, mais ma nouvelle connexion s'activera au grand maximum le 7 avril. Voilà, donc ça fait un peu chier quoi quand même, tu vois, d'attendre jusqu'au 7 avril. Mais les gars, soyez patients. Au début, je vous ferai des petits streamings, des petits streams en live et tout, avec 1 méga. Donc il faudrait être patient, ce sera pas du gros tonton Mandidos, ça sera du tonton, du mini tonton Mandidos, 1 méga quoi, du tonton 1 méga. Mais j'espère que ça vous plaira. Donc franchement les gars, n'hésitez pas à me follow sur ma chaîne Twitch, c'est très important. Voilà, m'a posé des questions déjà hier pour les dons, tout ça. J'ai dit écoutez, ça vous faites ce que vous voulez, moi je dis rien. Moi je fais du live, après vous faites ce que vous voulez. En tout cas, je peux vous dire un truc, c'est que j'ai vachement apprécié de faire du live hier, malgré que j'avais une pression monstrueuse parce que c'était la première fois que je faisais du live. Et que je voyais qu'il y avait 70 personnes qui me regardaient, quoi. Tu vois, non, pas 70, on est monté jusqu'à 50 viewers, tu vois, d'un coup. On a fait du zombie, on tonton sur du zombie, les gars. Il va neiger, sortez les parapluies, tonton sur du zombie. Je suis un cadavre en zombie, tu vois, c'est le cas de le dire. Je suis un zombie en zombie. Mais hier, j'ai fait du zombie. Donc voilà, j'espère que dans les commentaires, vous allez m'encourager. J'espère que ça vous fera plaisir, tu vois, de voir que je veux faire du streaming. J'avoue que c'est bien, ça m'amène un petit peu du punch, un peu, je sais pas comment t'expliquer. Parce que de faire des vidéos tout le temps c'est bien, mais c'est de la routine, là tu vois, il y aura de la vidéo, il y aura du live, du streaming, quoi, tu vois, c'est la patate, tu vois, quand tu vas sortir les nouveaux jeux et tout, franchement ça va être duré direct, vous serez plongé dans le cœur de la team OCB. Et franchement, il y a une petite dernière chose que je voulais vous dire aussi, j'ai un petit peu campé là, j'avoue, parce que je savais que j'étais pas loin là, j'étais à 1 kg ou 2, donc j'ai campé. On s'en bat les couilles les gars, on a sorti la moab, c'est l'essentiel. Je voulais vous dire aussi, c'est que j'espère que vous ne serez pas choqués par les lives et streaming.
parce que j'en ai un petit peu parlé hier dans le live, pour ceux qui étaient là. D'ailleurs, je dédicace à Boubacar Lover, fait, putain, j'ai oublié les noms. Le Canadien, tout ça, enfin bref, tous ceux qui étaient là hier, là, les CCCP et tout ça, là, des abonnés de ouf, hein. Quand j'ai mis le lien sur Facebook, c'était 1h du matin, ils sont connectés, ils sont venus me regarder. Franchement, énorme. Et eux, ils ont pu le voir hier, tu vois, ce que je vais dire en fait. C'est qu'en fait, tout simplement, moi les gars, ne soyez surtout pas choqués par la petite DNA, j'allais dire, l'habitude. Putain, moi, j'ai obtenu les gars contre la 67 QG, les gars, et oui, max de like. Donc, je disais, ne soyez pas. Vraiment, voilà, moi sur mon live, si vous venez sur mon live, c'est-à-dire en gros, vous avez mes conditions à moi, tu vois, tu viens me regarder, ne viens pas te plaindre sur certains trucs, c'est-à-dire, moi je vais être nature, comme quand je joue chez moi, sans streamer, tu vois, c'est-à-dire, si j'ai envie de dire à un mec, t'es un enculé, t'es un citoyen là, je vais le dire, t'es un campeur, nique ta mère, je m'en fous, tu vois, en gros, je vais peut-être avoir des moments où je vais rager, je vais parler mal, je vais, mais ce sera du live, vous serez plongé dans du 100% live, c'est-à-dire si je bois du coca, j'ai envie de roter, ben je rote, tu vois. En gros, je préfère vous avertir à l'avance que vous ne soyez pas choqués parce que vous serez dans du live 100% nature avec Tonton Bandidos et sa team. Parce que ma team, ce sera pareil, il n'y aura pas de retenue, ça va être de live 100% vrai. Il n'y a pas de genre je fais le mec bien pour montrer de bonne image. Non, moi je suis comme je suis. Donc si vous venez voir mon live, les gars, je finis pour 50 pour 16, les gars. Un bon passage, voilà, 67 QG, ouais, ils étaient deux, c'est ça. 50 pour ça, tranquille, dans la map glitch. Donc voilà, j'espère bientôt rendez-vous, les gars. Je mettrai les liens sur Twitter, Facebook, quand il y aura du live sur Twitch. N'hésitez pas à me follow sur ma chaîne Twitch. Donc la chaîne Twitch, c'est tout simple. Tapez Tonton Bandidos, les gars, comme vous le savez. N'hésitez pas à faire un tour sur les vidéos précédentes. Un max de likes pour Tonton. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et un prochain live stream. Ciao, les gars.